Good morgen, allez, Iden, le tutor aujourd'hui, le Nishmat, Abraham Khalil, Norbert, Ben Fortuné, Mazal, Rachamim, Ben Rosa, et Yedida, Betester. Si vous souhaitez, vous aussi, une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions ma secrétaire, Khin, Brekhe, Mishnahé. Shor, Ze, Ola, Bait, Ze, Korban, Meta Shor, Benafala, Bait, et nos Chayab, le Shalem. Deme Shor, Ze, Alai, Ola, Deo, Deme, Bait, Ze, Alai, Korban, Meta Shor, Benafala, Bait, Chayav, le Shalem. Mishnah, qui continue le sujet de la mission précédente, lorsque je fais le vœu de donner la valeur d'une chose et que cette chose meure avant que le guisbar, que le trésorier du Betamigdash puisse l'évaluer. Est-ce que je devrais quand même donner, on va estimer combien ça valait au moment où j'ai prononcé le vœu, ou bien non, puisque je ne l'apporte pas concrètement, alors je suis dispensé. Du coup, on va se mettre à parler maintenant dans notre Mishnah de celui qui va faire le vœu de donner une maison, je reste fidèle au mot, de donner un taureau ou une maison. Et on va voir qu'est-ce qui se passe, d'accord ? Je vous explique rapidement quand même la difficulté qui va avoir dans cette Mishnah. La Mishnah en soi-même elle est très simple, le principe ça va aller très clairement. Le problème c'est que la Mishnah, pour pouvoir exprimer une halakha, c'est fréquent, lorsqu'on veut exprimer une halakha dans deux situations pour que tu comprennes que dans ce cas-là tu es chayav, dans ce cas-là tu es patour, alors de manière générale il vaut mieux prendre les deux cas les plus ressemblants et là-bas tu vas me dire malgré tout il y a une différence, plutôt que de prendre deux extrémités et après on ne sait pas quoi faire dans tout l'éventail du milieu, d'accord ? C'est le problème qu'il va y avoir dans notre Mishnah, et à cause de ça, il va falloir ensuite, quand on va arriver à la fin, on va poser la question, soulever le problème, et du coup relire toute la Mishnah en précisant d'autres halakhot. Ça ne nous empêche pas pour le moment de commencer à lire la Mishnah et de prendre ces deux extrémités très fort, parce que les halakhot sont vraies. D'accord ? On apprendra juste qu'en réalité, ce qui est écrit dans le début de la Mishnah, c'est pas vraiment écrit comme ça, il faut le lire autrement. Mais pour le moment, on peut traduire « Shor ze ola ». Je fais le vœu de donner ce taureau en Ola, en Korban, Holocauste, au Betamigdash. Ou bien Bait Ze Korban. Je fais le vœu de donner cette maison pour le Bedek Abait, pour la trésorerie du Betamigdash. Ça se dit Korban, dans le Chot Nedarim, c'est fréquent. C'est une manière de dire à la trésorerie du Betamigdash. Donc en fait, je vais donner soit ce taureau, je le donne au Betamigdash, soit cette maison, je la donne au Betamigdash. Et puis ensuite, j'ai pas le temps d'amener le Gizbar pour qu'on voit ce qui se passe et qu'on fasse une évaluation, que je rachète ou quoi que ce soit, met à short, le taureau il est mort, venafa la baït, la maison s'est effondrée. Eh bien la Mishnah m'enseigne, et non, chayav, le shalem, je ne devrais rien donner, étant donné que j'ai dit que j'allais, au sens simple, pour le moment c'est très simple, j'ai dit que j'allais donner cette chose-là elle n'est plus là, mais tant pis, je ne dois plus rien donner. Je ne me suis jamais engagé de donner moi personnellement de mes biens, j'ai dit que j'allais cette chose-là elle n'est plus là, je ne dois plus rien. D'accord ? Et c'est sur ça qu'on va prendre en réalité, on ne parle pas exactement de ce cas-là, on va dans un cas un peu plus subtil, où je vais donner de la valeur de cette chose-là, mais pas cette chose-là, et on reviendra dessus. Pour le moment, je ne complique pas. D'accord ? Donc pour le moment, je vais donner cette chose-là a disparu, je n'ai plus rien. À la différence du cas où je dis « Dmei shor ze alai ola ». Littéralement, la valeur de ce taureau sur moi en holocauste. Il a rajouté deux expressions, le monsieur. Il a dit à la fois « la valeur », ça dépend du livre de Mishnah que vous étudiez. Selon le cas, le mot de mai, il est peut-être entre parenthèses. La Mishnah, quoi qu'il arrive, il faut l'interpréter avec le mot de mai. La question, c'est est-ce qu'il faut le faire entrer dans la Mishnah ? Et du coup, ça nous posera problème pourquoi c'est pas écrit dans le Risha. Succinctement, vous retenez pour le moment qu'il y ait le mot de mai ou qu'il n'y ait pas le mot de mai, il faut interpréter la Mishnah comme si il y avait écrit le mot de mai. Donc, maintenant, j'ai dit que j'allais donner, je reprends sur le cas du taureau. Le cas de la Risha, c'est je donne le taureau en Korban. Là, je vais donner la valeur du taureau. De ce taureau, sur moi en Korban. J'ai dit deux expressions supplémentaires. J'ai dit que j'allais donner la valeur du taureau. Et j'ai dit en plus ça le mot alay, sur moi. Or, le fait de dire sur moi, ça signifie que, sur moi, c'est moi qui couvre. Ça signifie qu'en fait, je m'engage de donner même si le taureau ne sera plus là. Lorsque je veux donner, c'est le même principe que si je voulais vous donner ce stylo, je te dis je vais te donner ce stylo. Mais si je te dis que je vais te donner. Compte sur moi, je vais te donner un stylo semblable. Donc ça signifie que même si ce stylo il va se casser, je devais donner un stylo semblable au moment où j'ai prononcé ma promesse. D'accord ? C'est le même principe. Lorsqu'on dit le mot alay, ça veut dire que je vais moi-même couvrir, je vais assurer l'arrivée à bon port du cadeau promis. Donc en fait, là, pour le moment, j'ai rajouté deux expressions. C'est que j'ai dit que j'allais donner de la valeur, et j'ai dit que je la prenais sur moi, que j'allais moi couvrir, l'assurer. Couvrir les cas de perte. Pour la donner. Même principe avec encore Odme Baïdze Alai Korban. Je fais le vœu de donner la valeur de cette maison sur moi en Korban. Et la Mishnah m'enseigne dans ce cas-là, ben, si Metashor Venafala Baïdze, le taureau est mort et la maison s'est effondrée, elle est tombée,
Chayav l'échalem, je devrais donner. Pour quelle raison? Alors là, c'est là où ça se complique. Pour quelle raison? Alors, on a un peu de mal. Pour quelle raison? Parce que tu as rejeté le mot de mai, c'est une bonne raison. Et aussi parce que tu as dit le mot alaï. Or, là, ça nous pose problème, c'est que tu passes du coq à l'âne. Alors, je voulais savoir qu'est-ce que je fais, comment est-ce que je classe les animaux. Tu m'as pris le cas du coq qui est une petite truc, hein, et un cas d'un gros âne. Et qu'est-ce que je fais avec le chien et le chat et tout l'éventail de cas qui se trouvent au milieu? En l'occurrence, le cas où je vais dire Dmei Shorze Korban, mais j'ai pas dit le mot alaï. Ou bien lorsque je vais dire Shorze alaï Korban, sans dire le mot Dmei, qu'est-ce que je fais? Ouais, c'est là le problème. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si vous avez quatre cases à remplir. Qu'est-ce qui se passe quand on dit le mot? Est-ce que le mot alaï change? Est-ce que le mot Dmei change? Succinctement, je vais pas vous compliquer la tâche, c'est très simple. Tout d'abord, je vous donne la route fixe, ça ira plus vite. La Gemara conclut avec aussi Tosfot, ça va porter tout ça dans Tosfot Yom Tov, qui nous explique, à partir du moment où tu dis que tu vas donner le taureau lui-même, tu ne parles pas de valeur de taureau, tu dis que tu donnes le taureau, alors que tu dises le mot alaï ou que tu ne dises pas le mot alaï, ça ne change rien en problème, dès que le taureau meurt, tu es dispensé de payer. Pour quelle raison? Parce que tout d'abord, quand tu dis que tu vas donner ce taureau en korban, le taureau il est mort, tu n'as plus rien. Mais même si c'est bien ce que tu dis, Shorze alaï korban, je vais donner ce taureau sur moi en korban. Comment tu te contredis? Tu crois que tu vas toi couvrir les frais du taureau alors que tu dis que tu vas donner ce taureau, tu as dit le mot zé, tu as dit lui. Donc si c'est lui, alors lui, c'est pas autre chose. Alors qu'est-ce que ça veut dire le mot alaï? Alors on va interpréter le mot alaï sur moi. Sur moi que moi je me souciais de la portée jusqu'au Beth Amikdash. C'est-à-dire en théorie, lorsque je dis que je vais donner un taureau korban, en korban au Beth Amikdash, je ne suis pas engagé forcément à l'amener moi-même au Beth Amikdash. Peut-être que je vais pouvoir communiquer le trésorier du Beth Amikdash qui va lui-même m'envoyer un émissaire, qui a un chaliar, je peux dire, un coursier, pour venir le chercher pour l'amener au Beth Amikdash. Alors que lorsque j'ai dit Shor ze alaï korban, j'ai dit que moi je vais l'apporter, mais qui? Ce taureau et rien d'autre. Donc si ce taureau disparaît, je n'ai plus rien. On a fermé le sujet avec lorsque j'ai dit Shor ze alaï ou pas alaï. Donc la Mishnah, il ne faut pas l'interpréter avec le comme le cas où on disait Shor ze, mais plutôt le cas où il va dire Dmei Shor ze ou Dmei Shor ze alaï. Et là, ça change tout. Lorsque tu dis que tu vas donner le Dmei, ça veut dire que tu vas donner la valeur. Alors là, la Mishnah vient me dire, tu sais, d'abord, on va prendre maintenant le cas de la Seifa, qui est le plus simple. Je prends sur moi de donner la valeur de ce taureau sur moi. Je vais donner la valeur de ce taureau sur moi. Donc moi, je m'engage à apporter la valeur de ce taureau, coûte que coûte, même s'il meurt. Alors là, dans ce cas-là, même si le taureau meurt, je devrais payer. Mais si par contre j'ai dit que je vais donner la valeur de ce taureau au Beth Amikdash, alors là, j'ai tout simplement restreint en disant que tant que ce taureau il est vivant, je vais donner moi la contre-valeur au Beth Amikdash. Dès que le taureau ne sera plus là, si le taureau il n'est plus là, je ne suis plus engagé à donner la contre-valeur. C'était très simple, je suppose. J'espère en tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Kol Tov, Salam.